Donc nous avons Yuna qui est venue passer le week-end à la maison. Donc là, elle est en train de jouer avec sa sœur Evan et avec Gunjan. Alors, malgré le fait que Yuna vive toute seule, c'est une chienne qui vient relativement souvent à l'élevage, qui fait des spectacles avec nous. Du coup, son intégration dans la meute à chaque fois est relativement aisée. Et il s'éclate bien. Elle a un très bon langage canin, cette chienne. Vous avez pu remarquer qu'elle n'est pas du tout la même couleur que sa sœur Evan. Elle est beaucoup plus grande également. Alors d'habitude, les petits chiens tchécoslovaques, ils veulent jamais sortir sous la pluie, mais alors là, je crois que j'ai créé des Robocop en fait. Allez petit bébé. Ça s'appelle de la pluie ça. Petite papate. Donc là, il pleut à l'extérieur, donc j'ai mis les chiots dans le bac. Donc obligatoirement, les chiots, ils essayent de sortir de la caisse. Donc je leur apprends déjà le nom. Non! Oui, ça c'est très très bien, Inaya. Sinon, en fait, la nuit, par exemple, ils seraient tous à l'extérieur du bac. Non! Oui, très bien! Donc là, on voit plus Inaya le faire, mais... Non! Non! C'est bien. Oui, donc je disais que sur cette séquence, c'est Inaya qui s'amuse à sortir, mais ils essayent tous. Hein. D'accord. Donc voilà le temps que nous avons aujourd'hui. Donc du coup, ben... Les chiots restent toute la journée dans la maison. Donc là, ils sont en train de manger leur coup de canard. Non! 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 Tiens, ça c'est bien, oui, regarde. Ça, c'est pour jouer. Allez, Inaya. Moi, je plains Judith à elle. Hein. Oh, je le plains, je le plains. Je te trouve bien jolie. Non! 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 Voilà. Ça, c'est bien. Petite fille sage. Tiens, si tu veux un doudou, ça c'en est un. Vas-y, fais ta moue, fais ta moue.
un petit mal bleu dedans. Mais tu fais pas le fier, hein. On va bien voir ce que c'est. Donc pour aider petit moelle bleu à avoir mâle turquoise, pardon, à avoir moins peur de la voiture télécommandée, on a mis des petites friandises dedans. Ils ont tellement de force là que j'arrive même pas à faire avancer la voiture. Au secours! Hé, hey, gros zizou là! T'es un monstre, petit malgré là. Laisse-moi le temps. Et vous me l'avez complètement. Je trouve qu'elle fera pas une partie de plus celle-ci. Hein. Donc c'est pas des croquettes, hein, c'est des petits bonbons de foie. Petit mâle bleu s'interpelle. Enfin, mais... Ah, je vais pas y arriver, petit mâle turquoise. J'y vais pas. J'ai vu que tout à l'heure il y avait des trucs dedans. Je vais te la piquer celle-ci. Si tu la veux, il faudra venir la chercher là. Oui, ça c'est bien, mon loulou. Le marron, lui, il n'est pas très gêné par l'histoire. C'est lequel qui est avec toi, là? J'en sais rien. Non. Marron. Marron. Ah, c'est le fameux petit marron.